Je vous présente aujourd'hui le Navigator's Tarot of the Mystic Sea. Donc c'est un tarot chez US Game Systems qui n'existe pas en français. Alors il existe également dans une boîte, un coffret avec le livre chez Urania, il me semble. Et c'est une édition qui est quasiment introuvable. Et d'ailleurs, le livre n'est plus édité non plus, il est très difficilement trouvable. Le jeu n'est plus édité, il me semble non plus, mais on le trouve quand même assez facilement, contrairement au coffret. C'est un tarot très original, très coloré. Alors, pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout ce qu'il donne en termes de divination. Il a un côté très moderne dans les illustrations. Et en même temps assez primitif. Et on peut voir qu'en haut des cartes, il y a une sorte de signification qui est associée à chaque carte, en plus du nom qui se situe en bas. Donc le dos des cartes est très joli, on reprend l'arbre de vie de la cabale. Le petit livret est en anglais avec une signification des cartes en anglais, bien sûr, et un tirage, un exemple de tirage. À bientôt pour de nouvelles vidéos.